Derrière nous, c'est la Casbah. 80 000 personnes à peu près. Oui. Que s'est-il passé cette nuit? Est-ce qu'il y a eu des fêtes à la Casbah? Ben oui, il y a eu des fêtes un peu partout, dans tous les quartiers. Il y a eu même, comme je vous l'ai déjà dit, le lever du drapeau qui s'est passé à minuit. Bien entendu, il y a eu aussi des coups de pétard, mitraillette pour fêter cette grande fête. C'est la plus grande fête de l'Algérie, c'est l'indépendance. Aujourd'hui, c'est un jour chômé ou est-ce que les gens travaillent? Oui, c'est un jour chômé. Donc, beaucoup d'animation dans la Casbah et beaucoup de continuation des fêtes. Vous habitez la Casbah? Oui, j'y habite la Casbah, j'y suis né d'ailleurs. Oui, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez? Vous êtes étudiant? Non, je suis dans une étude d'avoué en tant que clerc. Oui? Oui. Vous êtes militant FLN? Oui. Si je vous pose des questions sur les problèmes qui commencent à se poser maintenant pour vous, est-ce que vous répondrez? Ça tout dépend des problèmes qui sont un peu les problèmes épineux. Par exemple, on parle. Oui. On parle d'une dissension entre la zone autonome d'Alger et la Vilaye 4. Il y a la destitution de Menjili et Slimane. Il y a l'affaire Ben Bella. Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, militant? C'est le jeu. Moi, en ce qui me concerne, je ne peux absolument rien dire. Il y a des responsables plus haut placés qui doivent eux-mêmes prendre des décisions, penser, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous comprenez. C'est des choses très délicates. Oui. Comment pensez-vous que les choses évoluent maintenant? Que pensez-vous qu'il va se passer? Eh bien, c'est les accords d'Évian qui seront appliqués à la lettre, donc je ne pense pas, parce que auparavant les Européens avaient vraiment eu peur, ils croyaient que le jour de l'indépendance sera, ça y est, c'est l'Algérien qui va battre le premier Européen, alors que ce n'est pas vrai, ce n'était qu'une, c'était l'OAS qui répandait ces rumeurs, donc c'est pas vrai, donc le vote a eu lieu hier, il n'y a eu même pas un attentat, ni aucun Européen n'a été blessé, même ni aujourd'hui, ni plus tard. Pensez que la coopération est possible avec les oui, Européens? Oui, c'est très possible, oui. Pensez-vous que les Européens qui sont partis vont venir? Oui, il y a beaucoup qui reviendront, cela est certain, parce qu'ils trouveront pas... Vous souhaitez qu'ils reviennent? Oui, de tout cœur. Vous pensez qu'ils sont nécessaires à l'Algérie? Oui, bien entendu. Il faudrait quand même, il y a beaucoup de... On n'a pas, ça nous manque beaucoup d'ingénieurs, de toubibs, beaucoup de choses que nous n'avons pas encore actuellement. Nous sommes place des Trois Horloges. Il y a quelques semaines encore, il y avait là des commandos OAS. Aucun musulman ne pouvait venir dans Bab el-Oued. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont dans Bab el-Oued. Il y a des unités de la force locale. Vous, que pensez-vous aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est malheureux que on est arrivé là, que la France soit partie. Mais enfin, j'ai confiance en l'avenir, je pense que ça s'arrangera. Déjà, c'est plus d'attentats, plus de fusillades, depuis quelques jours, c'est devenu appréciable. À quelques centaines de mètres d'ici, c'est la Casbah, c'est une grande fête. Il n'y a rien eu, pas d'attentat, pas d'incident ici à Bab el-Oued. Non, aucun incident, au contraire. J'ai vu les types de la LN hier, aujourd'hui, ils ont tout été corrects. Mieux que je le pensais, c'était impeccable. Oui, comment voyez-vous l'avenir? Pensez-vous que la vie soit possible ici pour les gens de Bab el-Oued et pensez-vous que ceux qui sont partis vont revenir? Oui, je pense que les gens qui sont partis, il y en a beaucoup qui reviendront. Ça c'est certain. Maintenant, pour l'avenir, je pense que c'est possible. Enfin, ça se présente très bien. C'est un bon départ. Hier, il y a eu une chose formidable. Ça a été bien. Jusqu'à présent, vous êtes confiant? Ah oui. Combien y a-t-il d'habitants de Bab el-Oued qui sont partis en pourcentage? 70, 80% à votre avis? Peut-être pas 70%, mais entre 50 et 70%, oui. Et vous pensez que beaucoup vont venir? Ah oui, oui. Vous n'êtes pas un véritable pied noir, vous? Ah non. Vous êtes ici depuis combien de temps? Ça fait 7 ans que je suis ici. Oui. C'est un pays très attachant. Ouais, ouais. Vous comptez y rester? Si je peux, oui, je resterai. Mais vous y resteriez en restant français, en gardant votre nationalité? Oui, je garderai ma nationalité, il y a toujours quelque chose. Oui. On ne peut pas abandonner sa nationalité comme ça. Alors, vous viendriez en somme un étranger en Algérie? S'il n'y a pas d'autre manière de vivre, oui. Vous tenez vraiment à rester à Bab el-Oued? Ouais, j'aime beaucoup Bab el-Oued, ça me rappelle chez moi,
J'habite un quartier ouvrier, enfin en France j'habite un quartier ouvrier, ça, Babelotte c'est pareil, c'est chez moi, c'est avec le soleil en plus. Et puis car j'en sens bien ici, c'est sympathique et tout. Est-ce qu'il y a encore des commandos à Babelouette, des commandos à S? Non, je crois pas. Je ne sais pas, enfin je ne crois pas. Madame, c'est vous qui êtes la pharmacienne. Votre mari est professeur d'arabe. Aujourd'hui, que pensez-vous? C'est pas moi que vous voulez. Pensez-vous ce qu'on pense de la journée d'aujourd'hui? Eh bien, c'est-à-dire que on vit la même vie que les jours précédents, oui. Et que rien n'a changé apparemment depuis hier, jour de l'autodétermination. L'Algérie est indépendante, qu'est-ce que cela vous fait? C'était inéluctable. Avec l'évolution actuelle des peuples, on était obligé d'en venir là. Oui. La France a été poussée par les événements à donner l'indépendance, à accorder l'indépendance aux musulmans d'Algérie. Mon Dieu, il n'y avait pas d'autre solution. Babelouette est presque déserte. Enfin, la grande partie des habitants sont partis. Pensez-vous qu'ils vont revenir? À mon avis, j'ai l'impression qu'ils reviendront, mais pas en aussi grand nombre qu'on peut l'espérer. Vous, est-ce que vous allez rester ici à Babelouette? Nous l'ignorons. Ça dépend de la marche des affaires, parce que pour le moment, on ne travaille plus du tout. Oui. Il y a plus beaucoup d'habitants européens à Babelouette, mais par contre, les musulmans reviennent et reviennent extrêmement nombreux. Est-ce que cela vous fait plaisir de les voir? Ah oui, ça nous fait bien plaisir de les revoir, à tel point que on s'est presque jeté dans les bras l'un de l'autre quand mon préparateur est revenu. Oui. Il est revenu nous voir tout de suite après les contacts qui ont pu se faire entre musulmans et européens. Oui. Si la coopération entre les deux communautés s'avère possible, est-ce que vous resterez? C'est possible. Il est possible qu'on reste. Oui. Vous êtes à Babelouette, vous êtes chez vous ici. Babelouette, c'est un faubourg qui est très vivant, très attachant. En temps ordinaire, évidemment. Il est possible que nous restions si l'évolution de la situation se révèle satisfaisante pour les Européens. Et à ce moment-là, est-ce que vous resteriez français ou est-ce que vous choisiriez... Non, on resterait français. Vous resteriez français. Ah. Ce n'est pas encore la plus grande fête et la victoire. C'est le 5 juillet 1962. Vive la Hélène et les FLN. Vive la Dibondos. Vive la Dibondos. Vive la liberté. Vive la liberté. Vive l'Algérie, la Dibondos. Vive Ben Bella, vive Ben Khadda, vive Adès. Vive le Front de la Libération Nationale. Vive la liberté algérienne. Vive le peuple algérien.
Vous êtes monsieur Boupassa? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis responsable politique du sous-secteur. De la Wilaya 4? De la Wilaya 4. C'est-à-dire que nous sommes 5 ensemble. C'est des comités. Mais je crois que vous êtes surtout le frère de Djemila Boupassa. Oui, c'est ça, c'est exact. Il y a longtemps que vous avez vu votre sœur? Oui, ça fait environ 3 mois, dès qu'elle est revenue de France. Vous êtes indépendant depuis hier? Oui. Quel effet est-ce que ça vous fait? Ça me fait pleurer de joie. Je suis vraiment content. C'est une impression dont je n'ai jamais eue auparavant. Qu'est-ce que vous allez faire dans les jours qui viennent? Bien, je vais reprendre mon travail à la RSTA. Et du point de vue politique, qu'est-ce qui va se passer dans ce village? Ben, je ne peux pas vous répondre à ce sujet. C'est un village dont la place est typiquement française. Il y a une église, un monument aux morts. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ben, ils ne bougeront pas, je pense. Et surtout l'église, elle ne sera pas touchée, bien sûr. Et qu'est-ce que vous pensez des Européens qui sont ici? Ben, c'est des compatriotes, c'est des frères même. Puisqu'nous les avons contactés, ils acceptent de rester avec nous en tant qu'Algériens. Monsieur Obis, vous êtes restaurateur dans ce petit village de la Mitidja. Depuis combien de temps êtes-vous installé ici? Je suis installé à Deli Ibrahim depuis 17 ans. Votre fille est née ici? Ma fille est née à Alger. C'est une Algérienne. Vous avez assisté ce matin à une cérémonie à la mairie. On a hissé les couleurs du nouveau gouvernement algérien. Qu'est-ce que ça vous a fait? Et pour moi, ça a été une immense joie de voir que cette joie était répandue partout. C'est aussi un sentiment de fierté parce que ce n'est pas incompatible avec notre situation de Français. Je ne me sens pas diminué. Vous vous sentez algérien totalement? Je suis algérien. Et français? Et français, naturellement. Mais je suis algérien. Les deux sont compatibles? Les deux sont compatibles. On ne peut pas les séparer. Combien d'Européens vivaient dans ce village? Il y a environ 300 Européens dans ce village. Et de musulmans? Des musulmans, il y en a environ 4000. Est-ce que beaucoup d'Européens sont partis? Oh non, pas beaucoup. Beaucoup sont partis en vacances, mais il n'y a pas énormément de départs. Vous avez confiance dans la coopération? Je pense que nous arriverons à réaliser de grandes choses, parce que les musulmans, d'après ce que j'entends, ont besoin des Européens et nous ferons le maximum pour les aider. Et il y a chez eux une très grande compréhension à notre égard. Nous ne sommes nullement diminués. Vous n'avez donc aucun problème? Absolument aucun problème ne se pose pour moi. Il n'est pas question de partir pour vous? Oh, pas du tout, au contraire. Monsieur Obis, monsieur Boupassa, vous connaissez depuis longtemps? Oh, il y a déjà quelques années que je connais la famille du jeune Boupassa. C'est ça, oui, c'est exact. Est-ce que vous avez eu des rapports pendant les événements, disons pendant la guerre? Avec moi, non, mais avec mes parents, oui. Oui. J'ai toujours personnellement compati aux malheurs qui sont arrivés à cette famille Boupassa. Ils sont vraiment des gens extrêmement sympathiques. Monsieur Obis, monsieur Boupassa, une vie nouvelle commence ce matin pour vous. Est-ce que vous avez quelque chose à vous dire, vous, le musulman à l'européen, et vous, l'européen au musulman? Oh ben, vous savez, personnellement, je pense que la meilleure solution d'une réconciliation, s'il y avait réconciliation, serait de se donner la collade. Ah oui, je suis parfaitement... Et elle est sincère et je crois que c'est nos cœurs qui battent à l'unisson. C'est exactement nos sentiments.